Pour être un coiffeur aujourd'hui, déjà il faut être morphologue, il faut connaître la morphologie du visage, découvrir sa personne et lire, comme on disait tout à l'heure, sur la personne, de lui trouver la propre coiffure, sa personnalité surtout. Avant d'arriver dans la coiffure, j'ai fait plusieurs petits boulots, je ne me suis jamais retrouvé, j'étais maçon, j'ai fait de la mécanique auto. J'ai eu de la chance de trouver un mécanicien qui m'a embauché. Et au bout de 2 jours, il a changé d'avis. Il m'a dit, écoutez, Jelani, vous ne faites plus d'essai, je vous garde. Vous êtes un très bon mécano. Mais un seul truc qui me gêne chez vous, c'est vos cheveux, parce que j'aime pas les gens qui ont les cheveux longs. Alors j'étais tellement content de trouver du travail. Je suis sorti, j'ai cherché partout un salon de coiffure. J'ai trouvé un salon de coiffure et là, j'ai trouvé mon métier. J'ai toujours entendu que, à l'époque de mes parents, ma grand-mère, tout, qui parlait toujours de la lune, ils disaient que c'était bénéfique d'aller se faire couper les cheveux à la pleine lune. Et je voyais ma grand-mère qui coupait les cheveux à ma mère. Hein. Mais ça me faisait rigoler. Mais maintenant, grâce à une des clientes qui est venue se faire couper justement un jour de pleine lune, j'ai pensé à ma mère. Et je dis, tiens, pourquoi pas faire un test et avoir des résultats si c'est vrai ou faux. J'ai recommencé à couper les cheveux la nuit, et là j'ai obtenu des résultats. Au lieu d'avoir 1 cm de repousse, là j'ai obtenu vraiment 3 cm. On peut aller jusqu'à 2,8 et 3 et 3,5. J'adore mon métier, et j'ai tout fait pour faire plaisir à ma clientèle, et j'adore le côté artistique, et c'est ce qui m'a fait aujourd'hui de quand même de toucher des clients importants, des hommes politiques très connus.